Même l'invisible et l'immatériel ont un nom, mais lui n'en a pas. Du moins n'est-il inscrit nulle part, sur aucun registre, ni aucun acte officiel que ce soit. Pas davantage au fond de la mémoire d'un curé d'une quelconque paroisse. Son véritable nom, son patronyme initial. Il n'est pas dit qu'il en ait jamais possédé un. Plus tard, au cours de l'histoire, une femme qui sera pour lui sœur, amante et mère, lui fera don du sien, auquel elle accolera en hommage le prénom d'un célèbre musicien qu'elle chérissait entre tous. Il portera également un nom de guerre, attribué à l'occasion par les autorités militaires en même temps que sa tenue réglementaire d'assassin. Ainsi, l'amour et son contraire l'auront baptisé chacun à sa façon. Mais il n'en reste rien. Ses succès d'années aussi seront voués à disparaître à la suite de cette femme et de cette guerre, et de l'ensemble du monde déjà ancien auquel elles avaient pris part. Qui le sait? Pour peu qu'on daigne y croire, l'unique trace de son passage qui subsiste est celle-ci.